You know this is Denmark Smith. Merci, vous pouvez suivre nous, Lola MBC, TV Rodrigue, Zodi, Lola Place, Mourouk, nous permet nous à découvrir la vie de Jean-Naël Léopold. Beaucoup de monde connaît aussi comment Lolotte. Jean-Naël Léopold, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Alors, beaucoup de monde connaît comment Lolotte? Ouais, c'est mon petit nom, c'est Lolotte. Mon vrai nom, c'est Jean-Naël Léopold. Et mon kaité, Lolotte Kaite. Et tout le monde connaît pas Lolotte Kaite. Et une présentation, puis en large, Lolotte, c'est qui? Alors, Lolotte, c'est un jeune de 30 ans. Et kaité, comment dire, je fais que ma boîte, mon propre club pour moi-même, ça fait 2 ans. Et moi-même, je commence Sky, moi j'ai 8 ans, je commence Sky en 2000, ça fait déjà 24 ans, ça passe vite. Mais pas arrêter aussi, on va quoi. Il faut 60 ans, c'est ma fille LIM. Ah oui, mais non, là c'est un amour, une passion, non? Oui, c'est un amour, un amour. Après, ça même, en fait, c'est Kite, quand il y a cause le lot, c'est Kite qui nous fait le lot. C'est pas Tina Kite, moi je suis capable. Cap, qui va pas pour là aussi. Tu peux juste Naël, sans le lot. Voilà, tu peux juste Naël, moi je peux pas pour l'autre côté le lot là. Voilà. Et ça l'amour pour le kite là, où nous depuis l'âge de 8 ans, on commençait. Mais quand on tombe amoureux vraiment du kite? Alors, comment on tombe amoureux vraiment du kite? C'est en 2013. En 2013, le premier festival. Et la banane dit, on prend un festival pour une compétition, Rodrigue. Je dis, vous avez mis le faux pour gagner la compétition là. Et vraiment, je m'en écris pendant 4 mois à fond, je m'en écris. Et vraiment, je me rapporte victoire là. Mais depuis, je me dis, tu es une fille pour moi. Hein. Et puis, je me dis, je suis encore plus. Après, comme tout le monde est comme tout le monde est c'est-à-dire, je suis une fille qui me donne encore plus l'amour pour lui. Parce que c'est-à-dire, il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de filles dans c'est-à-dire. Mais du coup, l'amour qui est là, il est plus fort, comment dire. Aujourd'hui avec Kite, nous dit 2013 jusqu'à aujourd'hui, plus qu'il 11 ans, nous avons été comme ça, depuis qu'on vraiment tombe amoureux de sa sport-là, et on vient nos propres patrons. Comment ça a démarré pour créer notre propre entreprise? Alors, au commencement, je peux travailler dans une boîte, FGKS, à l'hôtel à l'époque, mais tout le temps, moi, je me dis qu'un jour, je prends mon propre club, parce que déjà dans le club-là, moi c'est déjà comment dire un petit patron même nous vous dire du coup moi, tout le temps mon propre patron me dit mon compte mon travail avec vous mais arrivé une année moi aussi moi pas envie de faire mon propre affaire parce qu'ils m'ont envie de faire une formation par exemple actuellement là il y a 3 jeunes filles de Polytechnique qui veulent faire un stage chez moi pendant 4 mois mais ces bonnes affaires là c'est bonnes affaires qui m'ont envie de partager du coup à cause c'est même qui me dit mais vous avez combien de propres affaires après qu'on ait un oiseau arrivé moi ils faisaient voler tout cela c'est pas sur les ailes. Voilà, du coup, je ne comprends pas. Et le Lot Kite Club, actuellement, combien de monde travaille là-bas? Alors, pour l'instant, nous sommes 9 jeunes, 9 monde. Et en ce moment, il y a 3 jeunes filles qui peuvent faire un stage. Et pendant les 9 jeunes, nous avons une petite fille qui donne un cours aussi. Ouais, il n'y a pas beaucoup. À Rodrigue, il n'y a que 2 filles qui donnent des cours. Et il y en a une chez moi, qu'on a formée nous-mêmes. Ça fait un grand plaisir. Plaisir, même une fierté. Oui, c'est une grande fierté. Trouver, en plus, c'est la championne Rodrigue. C'est nous qui nous formons les autres. Dilipé Donko, il va prendre notre Dimoun. C'est une fierté de ouf. Bien sûr, quand nous pouvons prendre aux bonnes images, tout ça, nous avons l'occasion de trouver Dilipé Donko avec un client. Donc, nous faisons aller ici travailler. Oui, oui, oui. Là, comment dire, là, il va faire une formation en plus pour qu'il y ait un vrai de son niveau. Et en même temps, il traîne pour le festival qui va arriver bientôt en juillet.
J'espérais qu'il y ait une nouvelle occasion pour faire un portrait, qu'on puisse sur la vie. Mais aujourd'hui, le lot où on vit une champion Rodrigue en 2013, au parcours, pas une arrête là. Alors, je suis champion Rodrigue en 2013 et après, j'ai eu plusieurs podiums encore jusqu'à maintenant. Et par exemple, j'ai fait un record d'Afrique. C'est-à-dire record d'Afrique, ça veut dire tout mon gars compétition de toutes îles d'Afrique. Mon gars champion Maurice, champion de la Réunion, Madagascar, Seychelles. Et voilà, c'est une grande fierté. Et on va pouvoir arrêter aussi. Là, bientôt, on va raconter une petite nouvelle. Enfin, pas ça qu'on parle pour les autres, ça même pour les autres. Là, je suis en train de préparer une grande traversée qui demain à Maurice, qui fait direction la Réunion. Ça veut dire demain à Maurice, à Le Monde, à la plage de Maurice, et on va aller atterrir sur la plage de la Réunion, à Sainte-Rose. C'est pour le 3 ou 4 octobre. Donc très prochainement, là. Très prochainement, là nous en grande préparation. Alors reste connecté et vous donnez un feedback là bientôt. Mais justement, comment on peut préparer pour sa grande traversée là? Alors là, c'est au moment où on fait beaucoup de training. Ça veut dire qu'on va naviguer beaucoup en dehors du lagon, en haute mer. Et après, gym, beaucoup vélo et galoper beaucoup aussi. Et après, les vignes aussi le mental. Les vignes aussi le mental, bien. Parce qu'en fait, cette course en fait n'est pas juste l'endurance, parce qu'il vous connaît qu'il est 208 km et en plus il y a 300 000 mètres en bas où là, profondeur. 300 000 mètres profondeur en bas où, ça veut dire 300 000 mètres, il y a tous les bêtes qui visent. Ça veut dire les vignes mentales, ça veut dire qu'ils ne visent pas leur gléco. Alors mon mental, c'est mon grand-mère. Moi. Ça veut dire comment on peut y aller comme ça. J'ai déjà fait mon travail, comme ça. J'ai déjà fait les CCL et à chaque fois, j'ai mon sentiment affaibli. Je m'en mon grand-mère, j'ai dit moi. Michael ou Michael, tu peux faire ça, Michael. Et voilà, ça encourage moi encore plus. Tu tends sur la voie. Oui, mais tu tends sur la voie, tu les deux. Mm-hmm. Ça encourage moi plus encore. Pour être un champion depuis 2013, là, on arrive 2024, 2022, 2023, où on fait une jolie performance avec tout ça, ben championnat qui au fin remporté le lot. Et justement, quel était le mental qui vous visait pour capable arriver jusqu'à là? Alors, déjà, vous avez permis de nous dire, moi je suis notre grand chevaux. Ça veut dire que nous devons rester bas, tout le temps nous devons prendre les simples, prendre conseil et mental. En fait, nous devons rester zen. Nous devons rester zen tout le temps. Nous prenons conseil, même petit, nous donnons conseil, même grand, même petit. Et nous restons zen tout le temps, c'est ça même. Comment l'esprit une traversée comme si Astéa a décidé pour faire une traversée Maurice Réunion? En fait, en 2015, il y a une madame et un monsieur qui ont envie de faire ça. Ils ont fait ça, mais je ne vais pas finir de faire ça bien. Je suis arrêté au milieu ici même parce que je suis fatigué. Mais ben, je me suis dit, traîner avec moi ici. Je peux faire les tours Rodrigue à l'époque, là, je peux traîner Rodrigue même. Du coup, je me suis dit, ben, si je ben, peux traîner avec moi, Rodrigue, ça veut dire qu'il y a plus de niveau pour qu'ils autres. Dire, psychologiquement. Du coup, je me suis dit, ben, qui fait pas faire ça, moi? Je ne veux pas le faire ça, mais qui fait pas faire ça, moi? Du coup, c'est comme ça qu'il est venu. Et après, nous, je peux le faire en 2019. Et Covid est tombé pendant que c'est fait aller. Et là, nous, je peux le sponsor. Puis sponsor, nous, pour faire parce que c'est un gros budget. Et avec une grosse équipe derrière qui peut travailler là. Et il y a une boîte La France aussi qui peut faire moi un gros coup de main. Peut-être même deux chez l'autre. Et du coup, voilà, ça l'année là, c'est maintenant ou jamais. Du coup, nous nous préparons pour lui. 2024. 2024, en pause. 2024, nous revenons. Nous aussi qui apprennent de ban petit comme ban grand aussi, donc c'est un travail qui tous les jours comme si il y a une nouvelle expérience qui vous gagne. Oui, c'est un travail de tous les jours. En fait, c'est pas parce que vous dites par exemple un objet il est plus faux, il est moins faux. Non, parce que moi, par exemple, le ban c'est qui est moins faux aussi, et c'est un objet qui me faut, vous comprenez, ça se fait pas. Par exemple, un dimanche, il va faire un tissu comme on nous dit à Rodrigue Malapopo.
un sommet la popo, mais dans ce sommet la popo là, on peut tenir des affaires là-dedans. On peut avoir un petit, par exemple, un petit mouvement qui on peut prendre là-dedans. Ça veut dire qu'on peut apprendre les clés aussi. Si on peut pas voir qui ouvre, on peut apprendre les clés. Après, ça veut dire qu'il est trop fort aussi, parce que, comment dire, tout le monde a sommet. Ça veut dire un jour, là, il y a un mot tout, mais demain, il y a un autre monde. Ça veut dire qu'il est qui trop bon. Enfin, tout le temps, vous restez tout le temps simple. Voilà, herbe et pratiquer. Le but là-dedans, c'est naviguer. C'est ça le secret. Naviguer, traîner et un encouragement pour faire des affaires là. Et pour créer sa figure comme si qui vous posait là, l'eau, l'armée là. Ça m'a l'inspiration là, venir le lot. Alors, moi, je suis content d'être beaucoup à faire YouTube. Après, comment me dire, un petit monde qui va faire par exemple un 360, il fait un saut normal, une touche, un tour. Mais maman, tout le monde fait apparaître. Après, je me dis, je vais ajouter un autre tous pour moi là-dedans. Ça veut dire que je vais refaire deux tours, je vais refaire trois tours. Après, je viens comme ça. Après, il fait des années, je vais faire plus, je vais faire plus. Ouais. Sa sensation comme si vous gagnez quand vous êtes dans les airs, là, avec sa kite, là aussi, nous bien que tout. Tout à l'heure, là, quand on peut prendre des images et tout. Ça ne sache pas qu'à expliquer ça. Moi, je viens voler, comme un oiseau. Je vais planer dans les airs, puis on a un petit niveau, on a un petit niveau, Il y a une autre situation, une autre affaire. Comment dire, il y a du monde, n'est-ce pas, pour boire, pour fumer. Je dis, mais qui fait ce boire? Je demande le droit pour comprendre. Tu comprends qu'il fait un boire, tu comprends qu'il va fumer, tu comprends qu'il va rester à fumer. Mais moi aussi, c'est un mot de dire, pourquoi? Pour les offrir, même pourquoi? Ouais. Rester humble, c'est une des bonnes qualités qui ou énorme, qui nous explique nous, qui permet tout faire ce travail-là et vivre vos passions chaque jour. Mais nous avons une guerre des ans depuis où nous créons propre l'entreprise. Qui bonne qualité comme si qui vous besoin énorme maintenant pour coach ça l'équipe là. Alors déjà vous avez un diplôme et vous avez la volonté aussi parce que pour un jeune de 30 ans pour me gérer une équipe de 9 personnes. Pas facile et en plus là-dedans il y en a qui est plus grand que moi, il est pas évident, mais tout le temps moi même dis mon pas content pour crier tout le temps, me dire voilà ça te devoir, ça te fera, ça te devoir, ça te fera, moi même dis mon pour exemple pour venir contrôler elle mange, je peux voilà bien mon correct, du coup vous avez ce nick là fait confiance ben dis mon là et amène un petit plus que oui là ou ton travail là c'est que sorte amoureux ici ou bien employé ben les autres jeunes qui ne commencent comment où peut-être dans l'avenir aussi pour envoyer des autres pour plaisir, est-ce que ça aussi vous gagne l'occasion de causer avec ou ben travailler? Mais oui, mais justement en fait dès commence comme moi, comme on dit, ou un oiseau arrive un moment il va voler pour plaisir, du coup moi je commence avec Andy Moon et Andy Moon tracé mon récit, fait en propre boîte, mon récit, fait en propre club, mais demain après demain ça se peut que dans l'équipe Neflan Andy Moon qui pas envie de pour lui. Il m'a pour lui. Mais après, dans le kite, on a beaucoup de travail, hein. On a beaucoup d'emploi, mais il faut juste que nous avons volonté et qu'on nous fait les bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le kite, c'est un sport extrême. Du coup, il ne faut pas qu'il vienne jouer le lutte. C'est-à-dire qu'on fait aller, puis ça chie un peu une fille. Donc, si on chie un peu une fille, on a volonté pour faire aller, mais qui ne fait pas. Moi, je suis capable d'être pour faire aller, si besoin pour faire aller. Oui. Mais justement, quelles sont les difficultés qui ont gagné jusqu'à présent dans ce parcours-là? Alors, les difficultés qui ont gagné, on me disait pour beaucoup de temps. La plus grosse difficulté, c'est le matériel. On me disait pour beaucoup de temps pour ce matériel, parce que le matériel coûte cher. Et du coup, moi, je peux envie de faire l'île sans qu'il me prenne l'une, parce que, au cas où, c'est pas moi aussi. Parce que, comme on dit, quand on a une école, c'est des sports extrêmes. N'importe quel moment, un des gens a un accident ou tombé. Le club a tombé. C'est-à-dire si on prend un gros loan, mais si le club tombé, on a un gros détour de la tête. Du coup, pendant 8 ans, mon travail, mon fait la compétition et mon rallier tout mon petit budget, je me mets à côté pour qu'aujourd'hui, enfin il y a 2 ans ici là, on commence à investir dans le matériel pour que ici, on puisse gagner mon club. Après, c'est un peu grâce à mon sponsor aussi, Duoton, et une aide moi. Côté matériel aussi, parce que tout il a besoin de mon matériel personnel pour qu'il m'entraîne, pour qu'il m'en fasse la compétition.
Mais il n'est pas évident pour un zéniste de démarrer pour monter une école kite. Il n'est pas évident. Mais après, peut-être à venir quelque fois. Maintenant, avec le gouvernement, qui est capable de donner un soutien et d'un tigre. Mais il n'est pas évident. Surtout le matériel, il coûte ça. C'est un sport de riche, c'est pour ça qu'il faut faire dommage que nous, Rodrigue, nous donnons un cours gratuit pour Rodrigue. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font aller. Il y en a qui peuvent au Brésil, qui payer des billets d'avion, payer logement, payer manger pour apprendre ici. Puis, payer d'autres cours pour apprendre ici. Et Rodrigue, nous donnons un cours gratuit. On essaie de payer la meilleure, de payer où on est. Mais je ne vais pas faire aller à Rochelle là. Parce que kite, c'est un sport de riche. Kite, il faut devenir une casse même pour faire kite. Et si nous avons la chance, nous faisons aller parce que nous aidons les uns les autres. Ah, et ailleurs, même quand vous êtes, vous faites un budget, vous faites. Vous prenez le risque et vous dites que vous êtes votre propre patron. Oui, surtout, vous avez la volonté. Vous êtes quoi? Vous êtes rêvé? Vous êtes quoi dans vos rêves? Ça veut dire, un jour, je vais monter mon propre club. Et je ne vais pas nager les bras. Tout le temps, même avec Covid aussi, je continue à tracer. Pour essayer mon club là, ils ont dit mon récit monté. Je vais même aussi m'espérer les morts encore, grâce à bon Dieu. Parce qu'ils sont dans la vie, pas si je suis là aujourd'hui, tout le temps, je me mets devant, et ils aiment qu'ils encouragent, tout le temps, comme si ils me causent mes oreilles, moi, pas l'oeil, les bras. Ils ont dit, ça fait l'année réalisée, et je suis trop fier, ça fait réaliser aujourd'hui. À 30 ans, ou un champion, champion d'Afrique, champion Maurice, champion Rodrigue, champion Seychelles, champion Madagascar, La Réunion, tout ça là. Une médaille de la récompense rodriguez. Redire. Et j'ai eu la médaille de la récompense rodriguez l'année dernière. Comme jeune. Ouais, comme jeune, comme sport. Ouais. Feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed too fast to feel like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that. Tout ça fait qu'il y a aujourd'hui une fierté devant nous qui peut partager aux histoires et nous espérer qu'il y ait maximum jeunes pour capable prendre comme une référence le lot Jean-Naël Léopold. Et qui message qui est pour adresser à tous ces banzen qui peuvent être ce programme là? Alors, moi ce que je veux pour dire, maintenant en 2024 la vie est difficile. On a beaucoup de fléaux déjà. Et moi, je dis, pas besoin de demander un fléau là. Au lieu de demander un fléau là, dans l'autre affaire que tu ne peux pas faire, dans l'autre affaire que tu ne peux pas faire, dans l'autre message que tu peux amener, par exemple, côté sport même, dans beaucoup d'affaires que tu ne peux pas faire. Je disais quoi et pas l'autre les bras. Après, il y a beaucoup de gens qui vont suivre comme moi aussi. Parce que je suis dans le groupe même, il n'y a pas de bois du tout, par exemple, c'est-à-dire que moi, je bois.
mais ils commencent comme ça. Du coup, il ne faut pas qu'ils commencent à rentrer les prisons, parce qu'après, c'est difficile pour eux de sortir de thème. Ils ont demandé à faire un fléau qui n'a pas besoin. On demande pour nous-mêmes ici, un cours gratuit pour Rodrigue. Et donc, quand même, nous avons un emploi, nous avons travaillé. Du coup, j'ai commencé les prisons. Demain, pour demain, nous avons fait un travail là. Voilà. En tout cas, nous disons merci beaucoup. Le lot pour accorder nous cette interview-là, nous avons bien pris, mais quand même, on a accepté pour raconter nous un petit peu au parcours, que tout a commencé et qui est l'objectif. Nous existons, et nous souhaitons bonne chance pour sa traversée-là et encore plus de prospérité dans l'entreprise. Et merci beaucoup. J'espère que moi, encore plus. Et ça, c'est une fierté pour moi et aussi pour Rodrigue. Parce qu'en même temps, moi, Rodrigue, quand je fais mon parcours comme ça, c'est une affaire de ouf. Parce que tout le temps, moi, Rodrigue, derrière moi, mon message, la dernière fois, je me rappelle mon petit Madagascar. Je me suis fait un peu de temps, je me suis là. Et je me voyais un petit message sur Facebook, je me dis, Rodrigue, je derrière moi, là, à quand j'étais là, à quand j'étais message, je me là. Beaucoup, ça. Mais il donne la force, courage pour faire encore plus. Je ne parle plus là encore. Voilà. Voilà, nous souhaitons aller encore plus loin dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Et c'est ici que l'émission Zen Actif l'IP tire à sa fin pour aujourd'hui. Nous souhaitons une très bonne suite de programme l'Oban Chaîne de la MBC TV.